Et ya YouTube, c'est Sean Kesma et j'espère que vous allez. On est toujours en compagnie de Stal qui est chaud patate et de t'as la noire avec ton chaud patate. Et du coup, on revient d'une raclette suédoise. Non. Oui, j'aurais bien voulu une raclette. Oh là là, une raclette. Oh, une raclette. Mais tu sais que on peut, mais ça coûte vachement cher une raclette, surtout qu'on est qu'à deux, budget, YouTube, tout ça. Ouais. Envoyez-nous des dons on et on se fait une raclette avec votre argent. C'est bon. Bah oui, mais il paye aussi. Oui. Le connard de on l'a transformé en un poteau. Non mais t'as... What? Non mais t'as pas... Bref. Oui, bon, bref. Bref. On est toujours avec notre duo d'incompétents. Et je sais pas en fait, j'étais en train de chercher une flèche. Et bah je sais pas, ça indique nulle part. Alors je me demande s'il faut pas justement ouvrir ça là. Enfin bah, ça mettrait une flèche. Bah ouais mais y a rien. Hein, t'as une explication. Et puis non, ça mettrait une flèche. Quand on a dû passer le passage secret, on a eu une flèche ici. Ah. Ah ou attends. Attends, on est c'est bête. Bon, je l'ai. T'as trouvé? Bah j'ai la clé. Ah mais. Oui bah tu vois on est bête en fait, c'était à droite. En fait on a popé devant la porte. D'accord. C'est pour ça que direct on est parti à l'opposé. Par contre, cette porte est très intéressante. Et du coup, dès qu'on voit une porte comme ça veut dire qu'il y a un ridiculus dans le coin. Ça aussi, c'est bon à savoir. Encore et toujours, jeunes gens, on n'a pas eu vos retours puisqu'on prend énormément d'avance histoire de pouvoir être tranquille parce que c'est pas souvent qu'on a l'occasion d'être ensemble pour le tournage. Arrête de mourir pendant que je parle. Pardon. Et j'avais un dernier truc à dire. Oui, alors s'il y a des personnes qui ont répondu par rapport au bug qu'on a pu avoir dans Lego Harry Potter, et bah. On sait. Déjà on n'a pas les retours et ensuite on a toujours les bugs en fait. Et on sait pas d'où ça vient. Voilà, maintenant je te laisse parler. Non, j'ai rien à dire. Par quoi ça, là. Oh, des livres. Oh, c'est beau. Je range. Je fais du ménage. En fait, je remarque qu'on fait beaucoup d'optionnels depuis l'épisode dernier. Les vions sortent. Oh, on a fait beaucoup de principales aussi. Oulala. J'ai mis le feu. T'as l'accent fufunien, t'as l'accent du sud. Ouais. Oh, j'ai l'impression qu'on a fait beaucoup de bonnes. Bon, c'est bien, hein, c'est bien. Mais c'est vrai que bah on en avait pas spécialement fait, du coup d'un coup ça fait. Bah, j'ai allumé des torches. Bizarre. Oh pardon. Désolé. Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas trop. Oh, t'es en train de nous foutre le feu sa cape. Oh la teuglif. Ah bah. Je cherchais justement quoi faire avec ce portrait. du coup tu m'aides. Ouais, hey, c'est des bonbons. Ah oh, c'est des fleurs. Oh. Qu'est-ce que c'est quoi? Oh. Attends. Nya. Je range les livres, avec même qui range les livres. Oui, on a trouvé un perso Susan Boyle. Quoi? Mais non. Quoi? Susan Boyle. Non, mais t'as pas vu? Non, j'ai pas lu. Mais c'était marqué Susan Boyle. B-O-N-E-S. Ah, Bones. Ah, Bones, Susan Bones, Susan Boyle, c'est pas grave. Non. Ah, si, c'est pas grave. Pourquoi il y a un charme là sur pourquoi wow j'ai. Il y a une casserole quelque y a part, Il y a un bouclier sur le. Double bala wow. Ah, je peux faire. Mais pourquoi tu fais des double bala wow? Mais la tristesse. Oui, il se cache lui. Ouais, bah attends, parce que moi j'ai ça. Mais j'ai ça. Ah, voilà, je sais pas quoi en faire. Attends, moi j'ai un serpent et des lunettes. Ok, on progresse. Ah, il veut des lunettes pour lire. Ok, on progresse, je crois. Ok, on régresse. Ah, c'est pour remettre là. J'arrive pas à savoir qui contrôle à chaque fois. Et du coup. Oh, c'est la suite. Et du coup, passage. Et ça. Non, il y a toujours un champ de force. Champ de force. Oh, il y a des dominos là. Attends. Mais. Oh, attends. Oui, vas-y. Trop bien. Oh, on peut les remettre. Ah, tu peux le faire à l'infini en fait. Et on peut les renverser. Et on peut les remettre. Bon bref. Par contre Là il y a un chaudron là, non on peut pas y accéder. Ça doit être un chaudron pour le charme, pour passer le charme. Enfin pour le bouclier là, je sais pas quoi. Quoi? Bah là oh, y a un oui chaudron. J'avais pas vu qu'il y avait un chaudron, bah je le cherchais le chaudron. Mais et comment on l'active? Bah on doit pas encore y avoir accès vu qu'on a pas appris la potion quoi. Et du coup sans ça je suppose qu'on ne peut pas passer ça. Non. D'accord. Et toujours coup, plus c'est... de zones optionnelles où on peut pas avoir la suite. Et là aussi il y a un cadenas. Oui, mais ça fait des années qu'on n'y a pas accès. Bref, on avançait en régressant, c'est très intéressant. Et du coup c'est toujours les bugs de FPS, hein. Mais on sait pas d'où ça vient. Et au pire ça dure quelques secondes, en espérant que ça ne fasse pas comme l'épisode 14. Oui. Parce que bordel. Salut. Salut, c'est oh, il nous par a quoi, là. Oui, t'as vu la petite tente. Et non. Bon, par contre, t'as l'air chaud patate. Attends. Du calme, Poseille. Tu veux un nanos? Oui. Bordel. Salut.
Bravo, bravo, bravo. Ta voix suave et sensuelle a cassé ce verre. Comment il s'appelle déjà? Lupin. Non, c'est pas Lupin, c'est Croutard en gentil, enfin en... Ah, Petit Grow. Petit... Oui, oh, petit, t'as la carte petit... Oh oui, j'ai encore. Tu peux la dire. Bah, je sais pas. Non, je l'ai juste en main, en fait. D'accord, donc on a vu Petit Grow. Et on vient d'apprendre que Petit Grow faisait partie de la famille Dari. En tout cas, qu'il a un lien avec la famille Dari. Joli. C'est joli. C'est joli. C'est joli. J'ai pas Croutard, tiens. Oh, oui. J'ai fait tomber. J'ai fait tomber. T'arrêtes pas de parler, regarde, dis-moi. Regarde, il y a un personnage là, à droite là. Bah oui, c'est. C'est. Machin. Ah, mais c'est... Oh, mais attends, coup, c'est ma carte ça, en fait. Ça indique, oui, c'est ça. Oh, c'est excellent. Du coup, on doit retrouver par rapport à ça. Oh, c'est marrant. Waouh. Ok, vas-y, pète tout, on ne dira rien. Non, mais c'est incroyable, hein. C'est, elle s'invite partout et elle fait tout. Et du coup, dans son coffre se trouve la clé. La récompense à moi. Vas-y, je t'en prie. De bah, toute façon, je me permets. Non mais, oh, tu me prie de rien du tout. Oh, regarde, on me voyait sur la carte. T'as vu? Je crois que... Ah oui. Oh, c'est marrant, ça. C'est trop bien. Je crois qu'il faut que tu tournes avec moi. D'accord. Oui, attends. Moi aussi. Ouais. Oh, trop bien. C'est excellent. C'est excellent. Croutard est à droite. Et toi, tu fais dodo. Pourquoi tu fais dodo? Réveille-le. Eh bien... Hein. Ok, attends. Attends. Parce que là. Voilà. Ah. Je me disais bien. Ok. Oh, Croutard se déplace. Enfin, Croutard, pardon. Oui, enfin, bon. Si vous avez vu les films, normalement, on, voilà, c'est pas du pas spoil. Pas de spoil, hein. Oui, normalement. Les films, ça fait des années qu'ils sont vous le savez. Voilà, les livres aussi. Je veux dire, au bout d'un moment, ça va. Hein, c'est bon, je veux dire, bon. Je veux dire, Croutard, c'est ton père. Ouais. C'est connu. Bah oui. Et le Seigneur des Anneaux, c'est Gollum, le héros. Ah, mais quoi? Les pots de fleurs. Oh, les avec ces fleurs. La paix dans le monde, les poneys. Des licornes. Des lamas. Des lamasticons. Lamasticons. Musique. Oh. Harry Potter remake. Point. Oh, c'est joli. Alors. Des lutins de Tardouet. Ouais. De quoi? Ici, hein? Non, je sais pas. Parce que je te voyais. Oh! Le marteau de Thor! Boum! Mais pourquoi c'est toi qui fais tous les trucs drôles? Mais y'a un truc là, ramasse. M'en fous! Oh! Ah oui! Merci. Tu me crois pas en plus. Mais je te crois, hein, mais j'ai dit. Ah! Oh! GG! Je crois que j'ai vu le chaudron. Y'a un truc là. Ah non, c'est pour un. Mion. Ah mince! Ouais. Du coup, on a pas. Oh, on est en pige! J'ai un jeu de calé. Non, t'es en pige en fait. Toi aussi. Non, moi je suis pas en pige. Moi j'ai juste un survêt. J'ai un sur. Moi je l'ai pas. Ça c'est génial. Boum, je te marche dessus! Et du coup? Et du coup, t'as fini de maltraiter cette pauvre araignée? Non. Niaha! Et là? Mais! Pourquoi tu t'es quitté tous les trucs? Ah, bah ça fait le chaudron! Ça fait le chaudron! Le chaudron! Mais pourquoi l'écran il se split? Mais parce qu'on est dans une toute petite zone en fait. Enfin, je pense que c'est parce que c'est un niveau en lui-même. Ouais. Mais non, je sais pas en fait. Je cherche des explications. Voilà, voilà. Je sais pas. Je... Voilà. Oh, mais bordel! Quoi? Je sais pas, je croyais qu'il y avait mais... un truc. Pardon. Voilà, ça c'est chiant qu'on peut pas se séparer parce qu'on veut tout le temps aller à l'opposé de l'autre. On veut pas se voir. Alors attends, parce qu'il y a un truc à faire au centre là. Tu veux essayer? Okay, attends, rapproche-toi, concentre un peu, voilà, parce que. Oh, attends. Attends. Non, c'est d'abord celui-là. Je sais pas, on voit rien. C'est celui-là. Mais quoi, celui-là? Là, au-dessus, là, et après c'est celui-là. Mais comment tu sais ça? C'est sur le sol, il y avait les couleurs. Ouais, mais j'ai rien compris au niveau des couleurs. Oh bordel. Ah ouais, c'est ouais, c'est pratique pour voilà, lui. Oui, là. Mais c'est ce que je voyais, mais j'arrivais pas à voir la première couleur. Ah, qu'est-ce que c'est? Faut la super force.
Oh, et du coup, son bras. Aïe, c'est pas le mien. Mouah. Si, je veux ton bras. Je veux ton bras. On n'a jamais vu Ron Super Ron. Je crois pas. Oh boy. Oh oui. Oula. Oh mon dieu. Ah, oh mon dieu. Ah, il est chaud patate. Hein. Ah oui, là, il est. Il est remonté. Oh. Et du coup. Mais. Mais. Pourquoi j'arrive plus avec les Leviosa? Enfin, j'ai l'impression qu'à chaque fois j'ai du mal. Ah, mais attends. Attends, excuse-moi, je regarde juste un truc. Non, on a la même portée de comment ça s'appelle, de Dead Zone là pour les joysticks. Ah oui, mais c'est pour les joysticks. Oui, mais parce que ça se trouve, ça aurait pu avoir un rapport avec. Bon, bref. Bon, on se comprend, jeune gens, on se comprend. Du coup, c'est pour les méchants. Oh, désolé. Non, c'était pour les méchants, je crois. Ah, t'es sûr? Oui, je pense. T'es sûr? Bah. Ah oui, c'est pour les méchants. Me fais pas faire du montage pour rien, hein. Non, mais. Non. J'arrive. Je ne peux lutter. Je crois que. Voilà, tu t'étais un peu trompé de magie, c'est pas grave. En plus, derrière, c'est serpent. Bah écoute, moi je casse des plantes. Je fais ma vie. Oh, il y a un balcon. Dans une autre vie, j'étais artisan. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est pour toi. Oh. Oui, je sais, j'ai dit c'est serpentin. Il y a un truc là. Je sais pas, j'y ai pas accès. D'ingrédients. Bon, bah écoute. Ok, un. Hein. Ah, il m'a occupé pas accès. D'accord, bah j'ai même pas eu l'occasion de parler. Ah, oh, y'a un Lumos. Ok. Lumos. Oh, y'a un chaudron, ah bah il faut. Ah bah voilà. Tada. Un deuxième balcon. Ah, mais oui, il faut les ingrédients. Oula. Oh mon dieu. C'est le freeze de la perte. C'est bon. Fou. T'aurais vu une cuisse de poulet dans le coin? Non, vraiment? Non. Parce que j'ai faim. Moi aussi, j'ai faim. Je creuse. Oh oh. Et moi, je tourne je sais pas la balle. Oh, c'est joli. Oui, mais c'est pas un arbre à poulet. Donc, non, c'est nul. Ah, et du coup, on peut monter. Ça sert à rien. Okay. Pardon. Oh. Désolé. T'as ce truc-là qui a popé? Nya-ha. Je pense que la cuisse de poulet elle est en haut. Oui, je pense aussi. Oui. Donc voyons. Oh, il y a un chat, c'est Mistaine. Tu crois? Oh, pardon. Mais rien, non. Si, il y a des chances en fait. Je sais pas, à part Mistaine. Oh, il y a un buff. Non, le merde, je vais te tirer dessus. C'est bon? Ok, donc panique. Je veux le poulet. Je veux le. Moi, je suis caché. Je suis caché. Il me voit pas. Mais s'il me voit en fait, il sait que je suis là. Attends, il y a un perso derrière. Oh! Fred Pulot Vert, trop bien! Il faut qu'on soit deux. Tu peux la tirer? Eh ben, parce que attends, j'ai la potion de méga force là, mais. Enfin, une potion à faire. Eh oh! Et il y a ce mec là. Coucou! Mais je pense que tu peux passer, hein. Ah si! Nya. À l'aide! Ouais. Bah, je sais pas si tu te souviens, mais la dernière fois on a pas réussi à se décoincer, du coup. Non! Du coup, bonne chance. Mais ça fait quoi? Attends, la potion, j'ai pas suivi. C'est la super force? Non, c'est pas la super force. Oh, c'est une potion d'invisibilité? Oh, à l'aide! Ouais, bah. Tape-le! Bah, Bibel. Non! Je suis coincé! Attends, y'a un truc à faire. La dernière fois on a pas trouvé. La dernière fois on n'a pas trouvé. Attends, je vais trouver. On a besoin d'être deux pour faire ça. Ah, c'est un problème. Oui. C'est un problème. Attends, je m'occupe du buffet. Non mais je fais ça bien, hein, mais. Mince, Mistel, chute. Oh. D'accord. Vite. Il faut que tu sois invisible. Non. Ah, mais viens en fait, parce que tu restes sur place. Mais je fais ce que je peux, hein, écoute, il me coince. Bah oui, mais parce que tu pars du mauvais côté. Oh, je suis plus invisible. Ah, mais moi je peux. Ah, mais non. Parce que j'allais dire, je peux être invisible aussi, mais si je suis invisible aussi. Allons-y. Bah, je peux pas faire des trucs. Pardon. Ah. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que ça agit pas mal de temps. Allons-y. Et voilà. Yay. C'est bon? C'est bon? Ouais. Et voilà!
Donc, on progresse. Peter Petit Wow, toujours devant nous. Pourquoi tous les portraits dorment parce que c'est la nuit? Bah, je suppose que oui. Ce serait logique. Ouais. Bah, ouais. Enfin, je sais pas, tu as une autre explication? Non. Eh, par contre. Oui, c'est pour nous en fait. Comment ça, non? Comment ça, non? Ah, ah c'est un serpentard. La violence! La violence! Tu fais danser? Oui. Tu fais danser! Okay. Et on gagne quoi si on fait danser? Rien, genre je peux faire peur à quelqu'un. Bon, bah écoute, je sais pas. Ah, mais c'est un charmeur de serpent! C'est une flûte assez. Le portrait! J'arrive pas à viser. Pardon! Non, c'est pas ta faute. Je sais pas ce que c'est. Ah non, c'est la clé! C'est la clé. C'est un violon. Tu vas l'endormir. Tu vas l'endormir et il va faire tomber la clé. Oui. Oui, ça marche. Oui, ça marche. Oh, la 3D. Magnifique. Ça marche bien la 3D aujourd'hui. Je peux continuer le violon. Nya. Ok. Alors, tu vois, autant on avait la clé. Je l'avais vu, par contre, la serrure, je l'avais pas vu. Enfin, je... C'est vrai. On aurait pu chercher longtemps. C'est bon? Oui. C'est reparti. Ah. Et du coup, c'est très le niveau terminé. Bon, je t'avoue par contre que sur ce coup-là, ça m'embête d'arrêter l'épisode maintenant en fait, parce que l'épisode 15 était un peu court, là, 17 minutes... Bon. Mais on continue, allez, on continue. On continue. On est chaud patate, briques dorées, on a tout ce qu'il faut, et du coup, on s'est fait avoir par... Ruzard. Il t'a fait tellement peur que t'en as ravalé ta saline. C'est reparti. C'est Ruzard parti. Hermione. Quelque part au château de Poudlard. Un autre jour, une autre époque, une autre année. Il faut la sauver. Et du coup, pourquoi tout le monde fait dodo? Ah mais on est toujours la nuit en fait. Je croyais qu'elle avait mal au ventre. Si, non, quoi? Ah tu... Mais non. Pourquoi elle se tenait le ventre? Ouais. Mais non, ils ont froid. Soit ils ont froid... Bah à l'intérieur, il y a un feu chez nous. Bah et alors, les détraqués, ils te glacent de l'intérieur. Hein. Oui. Non mais... Non mais... Oui. Non mais... Par contre, ouais, c'est la panique au lycée, hein. Je sais pas pourquoi les parents, est-ce qu'ils laissent leurs enfants y aller, mais c'est la panique. Voilà. C'était mon moment de gloire. Toujours sans pantalon. Oui. T'as un gros cul. Non, toi, t'as un gros cul. T'as les hanches trop larges. Je suis dégoûté, mais... Je me respecte de pas, j'en ai marre. En fait, ça sert plus à rien maintenant de bouger l'escalier. Non. Avant ça servait, mais pas pour l'instant en tout cas, mais peut-être plus tard. Ouais, j'avoue que par contre ça c'est triste par rapport à l'univers parce que les escaliers c'est quand même quelque chose de gros dans l'univers d'Harry Potter et bah là rien en fait, à part celui-là au tout début, bof. Depuis on n'en reparle plus. Et du coup on va où? Bonne question. Ah je me demande si on va pas aller vers l'arbre. Ah le sol collier. Ouais. C'est mon avis perso hein, parce que je vois pas trop ce pas par là. On a loupé un truc. Ah! Attends, nous, Nick! On a cours? Mais attends, il va où? Non, il va tout à gauche. Mais y'a quoi tout à gauche? Nick, attends, nous! Attends, il y avait un mini-jeu, mais il y avait autre chose? Bah, je. Bah. Oh, bah oui! Il y a une porte! J'avais jamais vu! Je suis Lupin. Oh, mais je fais tourner ma cape. T'as toujours les gens pétés. Bon, bah, tu moi j'ai un super pouvoir. Oui, c'est vrai. Je dis ça, mais c'est vrai. Une loune. Une loune. Attends quoi? Ah oui, c'est mon détraqueur à moi. C'est mon ridicule. Ah d'accord. Et du coup, voilà. Du coup, laisse-moi. Aïe. Mais comment? Ah mais c'est que toi qui dois le faire en fait. Bah oui, mais quand je m'approche, il m'attaque, donc du coup, je peux pas le sortir. Alors, ah d'accord.
Donc je peux le sortir à courte portée. Bon, moi je vais m'occuper. D'accord. Oui, vas-y, fais l'optionnel, hein, fais ta vie, tout ça. D'ailleurs, tu sais quoi? Je vais préparer le terrain. Je vais en faire 4 et puis je vais t'aider à fouiller. Ah, mais non! Non, non, non! Voilà. Parce que regarde, j'en ai 5 à faire, mais il y a que 2 coffres. C'est-à-dire que ça va évoluer. Quelque part, ça évolue. Je pense que ça se remet juste. Des pions! Des pions! Des pions! Oh, attends. T'étais là avant, toi? Ah, bah, bah, bah. Non, c'est moi qui l'ai libéré, celui-là. Ah, bah, c'est ça, il faut le libérer. Mais c'est technique, hein, parce que quand tu t'approches trop, il t'enveloppe, et quand, là, tu, y en a un autre. Quand tu vas trop loin, il te... Bah, il te dégage. Nya-ha! Il y a une tête de Lego géante, là. Il est stylé, le Lego du cheval. Ah oui, j'avoue. J'avais jamais vu. Il est trop beau. Ouais, t'as vu? Comment il se démarque du reste? Oui. Oh, 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 oh. L'art légonien. Du coup, derrière... Oh, il y a un trampolin. C'est un projet. Oui. Ça c'est. Oh. Ah, il a un coffre. Quoi? Oh bah oui. Trop stylé. GG. Nya-ha. Sors de ta cachette, démon. Et de. Oh mince, je crois que c'était le dernier. Oui. Ah non bah c'est bon. Spero Patronum. C'est Spero Patronum qui dit? Oui. Il dit pas Especto? Alors je sais jamais, il y en a un qui est différent dans le livre ou le film, je crois, je sais plus trop. Dans le film, je suis sûr, il dit Especto Patronum. Je sais plus du tout, je t'avouerai. Et même qu'à la fin, il craque et il dit Especto Patronus. Non, non. Non, je rigole. Ok, on peut gonfler des têtes au sol, ça t'intéresse, hein? Ouais, c'est ce que j'ai fait. Mais ça sert à quoi? Bah, rien. Ah, je sais pas, elles sont cachées, on dirait que c'est un... Je sais pas, que c'est un collectable à faire. Oui. Palapin, point, point, palapin, pain, 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 palapin, point, palapin, point, point, palapin, point, point, palapin, point, point. Bah écoute, je pense qu'on est bien, hein. On a fouillé la zone entièrement, du coup nous progressâmes. Progressâmes. Tu viens? D'accord. J'avance, hein. Une grosse squelette là. Une grosse squelette. Ou le gros squelette. Bah du coup moi ce qui me fait marrer c'est que peu importe la salle où on va, peu importe la porte qu'on prend en général c'est toujours les mêmes salles d'études. Hein. C'est pour ça que c'est attrait le lol. Quoi? Qu'est-ce que... D'accord. Il nous attend au milieu pour retourner tout à gauche, il nous guac, hein. Ouais, tellement. C'est comme si en fait il allait tout à droite pour faire... Hop, c'était de l'autre côté. Bouh. Putain, t'as vu? Il te guac. En plus il est super lent, du coup t'es là en mode non c'est pas par là. Non. Heureusement qu'il y a les flèches, hein, parce que sinon on perdrait du temps. En fait... Non, ça rajouterait de la durée de vie. Si on retire les flèches d'indication, là comment on se perd. Hein. Bonjour. Oh. Ah. Ouais. Je l'ai fait fuir. Bon, bah écoute. J'ai pas compris. Les Emma Watson du jeu, elle est moins sexy que dans celle du film. Hein. Ah, c'est vrai. Et du coup, bah on va voir l'arme. Oui. C'est perturbant de courir avec... Ils ont froid. Du coup, avec toi dans les pattes. Ah. Oh, bah. Et attends, parce que tu me dis que... Ah, ah là, il y a un nouveau chaudron, là. Ouais, ouais. Tu veux essayer de le faire? Je sais pas quoi il sert, en fait. Bah, on le saura qu'en le faisant. La pomme. Où c'est qu'on avait eu la pomme? Où c'est qu'on avait eu la pomme? J'ai déjà eu la pomme, ici. Hein. C'est toi qui vole, là? Ouais. D'accord. Non, un peu sais. Pété quand même. Oh, on va chez Hagrid. Ah, mais du coup, attends. Oh, ah. Oh, bah moi je peux les péter. Ouais. Trop bien. Trop bien. Oh, la pomme. Voilà, je savais bien que j'avais déjà vu la pomme. Ok, donc la pomme c'est fait. Ouais, y a les cerises là. Oui, oui. Bah, essaye de les récupérer si tu veux parce que les allers-retours. Ouais. Et du coup... Ah mais il y a besoin que de ça en plus la, la, non mais... La, la. C'est bon où il repop Oui. Meurs. Voilà. Ça. Du coup c'est quoi? C'est une potion de force? Je ne sais pas. Ah c'est du polynectar. Ah c'est pour changer de perso? Oui. Oh, bah je il faut que tu appuies sur A. Pardon. Ok, alors attends, parce que du coup, moi je voulais. Ah, ça. J'avais oublié.
Évidemment, je suis du mauvais côté. Nya. C'est des feux d'artif. Ah, mais d'accord, attends, reviens. Est-ce que t'écartes la caméra? Pardon. Feux d'artif. Fils. Je crois que je les avais déjà fait. T'es sûr? Je suis pas sûr. Moi, je suis pas convaincu. Hein. Oui. Mais on peut pas faire les autres. Bon. C'est beau. Bah, tristesse. Oui, c'est beau, mais il y a que ça. Évidemment. Oui. GG. Jenny en gilet. Ouais. Et du coup, Stan est la super-héros de cette aventure.